Prête à partir. Bienvenue sur le Trophée Rose des Sables. Une rose de 22 pétales puisque c'est la 22e édition de cette aventure ensablée qui célèbre cette année ses noces de bronze avec le désert. On est des petites diablesses. D'ailleurs, bronzées bientôt, elles le seront sûrement, mais avant le pays du couchant, c'est du Pays Basque que se lève le vent du départ pour nos roses. Go ! C'est fou. Tout commence donc ici, dès aujourd'hui, au Rayalay de Biarritz, où Desert Tour leur a donné rendez-vous pour le prélude de l'histoire. Il y a des sourires partout, on est ravis de pouvoir partager tout ça avec ces femmes qui sont préparées depuis de longs mois. Notre rôle, c'est surtout de leur faire vivre la plus belle aventure possible avec notre expérience depuis plus de 30 ans. Ça y est, l'aventure va pouvoir commencer enfin. Mais avant de danser sur les dunes, avant l'aventure, la vraie et les roadbooks à déchiffrer, aujourd'hui pour les équipages présents, c'est vérification technique et administrative. Le jerrycan. Il y en a deux au-dessus. Bravo. Pour le moment, ça va. Il a coché. Il nous surveille encore là derrière, mais. Bon, c'est bon. Ah, merci. Bon raid. Merci beaucoup. Ça y est, on a notre petit bracelet. Elles sont novices ou expérimentées, différentes mais rassemblées. Elles viennent de France, du Canada, de Belgique et de Suisse. Et toutes ont la même destination, celle du défi accompli. Un an de préparation. 3 ans. Depuis novembre 2022. On est dans le bain depuis 2 mois quand même. Hein ? On a vraiment envie de tout donner pour arriver à faire une belle course et passer un bon moment avec. Je pars avec la meilleure copilote. On vit plein de belles choses, avoir des bons souvenirs inoubliables surtout. Souvent on me dit Amandine t'es inspirante etc, mais là c'est elle les reines de la journée et c'est elle qui m'inspire et qui me donne envie de me surpasser, d'aller encore plus loin. Je leur souhaite tout le meilleur, que des ondes positives, les filles c'est le défi d'une vie. D'ici une heure, le top départ retentira, alors profitons-en pour faire connaissance avec deux roses, découvrir les raisons de cette parenthèse et l'horizon de leurs rêves. Catherine Specht, équipage 32. Je m'appelle Margie, équipage 120, des Blondes des Dunes. Mon niveau en termes de compétition rallye raid, 0. Je l'ai déjà fait en 2016 et j'avais à peine fini que j'ai dit à mon mari, il faut que je le refasse. L'aventure, elle commence du jour où j'ai reçu le papier dans mes mains, tu es préinscrit au trophée Rose des Sables. Hein. J'ai quasiment pas dormi de la nuit. En amont, c'est beaucoup de travail, c'est vide-grenier, loto, soirée. On parle beaucoup de ça, on vit beaucoup dans ce projet. Et ben là, on a réussi à boucler le budget et c'est top, quoi. Chacune, on a notre famille sur le 4x4. Et ils portent vraiment le projet avec nous et c'est ça qui est beau aussi, parce qu'ils me soutiennent à fond, c'est des amours. Puis de leur prouver que on est capable de faire une aventure comme ça. On va rencontrer des moments de doute, des moments de joie, des éclats de rire, des moments de stress. C'est une belle expérience, c'est sûr. Et oui, c'est dur. Il y a des épreuves, faut y aller, hein, faut rien lâcher. Passer du rire aux larmes, de toutes ces émotions qu'on peut vivre pendant cette aventure. Vivre pleinement, profiter, savoir se poser aussi pour dire la chance qu'on a d'être là. Le but, voilà, c'est de rien regretter, voilà, profiter au maximum et on va y arriver, on va tout donner pour. Bonjour les roses. Ah, j'avais remarqué, hein, quelle ambiance cette année. Bon, vous êtes prêtes? Bon, mais rendez-vous à Algésiras, les filles, toutes, hein. On voudrait déjà remercier le Rayalay de Biarritz qui nous réunit chaque année ici depuis 3 ans maintenant. Il faut savoir que Biarritz est une ville qui aime beaucoup les événements sportifs et c'est super de partager ces mêmes valeurs. Bonjour à toutes, je suis vraiment ravie de vous accueillir. Car Ali, c'est une grande aventure faite d'émotions, de rencontres, de grandes joies. Vous portez tout en vous une énergie débordante. Bon voyage à toutes. 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, la 22e édition du Trophée Rose des Sables est lancée. C'est parti ! Et nos chères roses, enfin élancées, en route pour demain et la suite du chemin. Cap sur le royaume chérifien.